Eh bien, de retour. Donc, je vais commencer un peu par... Nous allons organiser notre inventaire. Ça, c'était déjà très bien. Enfin, nous attaquons cette redoutable grotte. La grotte de l'enfer. As-tu peur, Midia? J'ai très peur. Ne t'en fais pas, Midia, je te protégerai. Oh, ils ne sont pas beaux, ces vilaines créatures. Nos nouveaux équipements nous défendent un peu mieux, mais ce n'est pas très bon encore. Il y aurait place à beaucoup d'améliorations. Mais ce n'est pas grave. Le courage l'emportera toujours. Allez vite, bois ça! À quoi bon boire ça? Les sangsues sont en train de prendre mon sang. Si cela continue, nous n'en viendrons jamais à bout. Oh non, je suis complètement empoisonné. Ah! Moi aussi, au secours, nous allons perdre! Ne désespérons pas. Quel combat très difficile. Fire! Ouh. Mini bouteille. Si seulement nous avions un mercenaire avec nous, cela nous aiderait très fortement. Finissons-le au corps à corps. Lorsque nous sommes empoisonnés, il faut utiliser la magie anti-poison. Il est aussi possible d'utiliser Elop, mais cela prend plus de points de vie à utiliser. Hé, ce coffre! Très bien, nous avons obtenu un arc. Lydia, tu l'équiperas, c'est un très bon objet. Il n'est pas encore aussi puissant que que nos magies, mais ça viendra. Cela viendra probablement. Oh, nous avions des bouteilles d'anti-poison. Elles ne sont pas aussi utiles que la magie, puisque la magie ne coûte absolument rien. Ah, je vois que nous avions déjà. Je vois que je ne peux pas utiliser ton couteau de paralysie. Non, mon couteau rose, tu ne peux pas l'utiliser, c'est un couteau pour filles. Regarde bien ça, Midia. Nous devons exterminer ces saloperies de sangsues au plus vite. Attends. Utilise ton arc. Ah, je vois. Tu vois, Midia, j'ai lu dans un livre que certaines armes dans ce jeu pouvaient attaquer un groupe plus grand d'ennemis. Plusieurs arcs peuvent le faire, mais on dirait bien que cet arc s'est avéré inutile dans ce cas. Exact. C'est dommage, n'est-ce pas? Oui, c'est vraiment dommage. Cette boule va probablement nous exploser à la figure, encore une fois. Oh non! Cette situation ne présage rien de bon. Vite, soignons-nous avant qu'elle ne nous explose à la figure. Ah, ça fait mal. Oups, je m'excuse, Midia. Ah! David, réveille-toi! Non! Bolt! C'est ton esprit qui a fait ça, David! Oui, je suis toujours vivant. On s'est pas trompé de voix, non, pas du tout.
J'ai survécu, regarde Midia, je suis là. Regarde Midia, une espèce de... C'est Satan, salut Satan! Ouais, où c'est que tu penses que tu vas? Alors, regarde en bas, calice, il y a du magma, cruche. En bas, les villes sont en train d'être évacuées, c'est l'apocalypse! Tu vas brûler! Allah! Allah! Allah, il est vrai Dieu! Allah, il est vrai Dieu! Quel étrange personnage. Oh, regarde, Midia. Ici, le ciel est bleu. Et rouge. C'est magnifique, Midia. Il fait un peu chaud, tu trouves pas? Attends là un peu, Midia, là. C'est ce que les filles disent avant de se déshabiller. Non, il fait vraiment très chaud. Hé, mon brave, est-ce que cette lave est normale? Salut, moi je suis un godhomme. Écoute mon gars, dégage parce que la ville est en train de brûler. Oh mon dieu, Midia, la ville brûle! C'est affreux! Merci, Captain Obvious. Donc la lave a atteint notre pied, c'est pas très bon ça. Allons voir ce qu'il y a ici. Oh, cette personne a déjà volé la maison. Eh bien, mon grand. Voyons voir si tu as vraiment bien volé. Ce n'est pas bien de voler. Nous ne volons pas, Midia. En fait, nous sommes des sauveurs, oui, hein? En fait, vu que tout va brûler, nous sauvons le plus d'affaires possible pour les redonner aux gentilles personnes. Regarde, Midia! Vite, avant que quelqu'un le sauve. David, attends un instant. Est-ce que c'est vraiment correct de prendre cela avant que tout parte? Non, tu as raison. Ce n'est pas correct. Tu as raison, Midia. Nous ne devrions pas le faire. Nous ne devrions pas. Désolé, Midia. Je connais la personne. Je vais lui rapporter sa paire de bottes, je te jure. C'est vraiment une jolie ville. Avant de partir, il faudrait sauver l'équipement des autres maisons. Ne t'en fais pas, Midia. Merci, Captain Obvious. Mais cette personne ne semble pas vraiment effrayée. C'est vraiment une belle ville. Et oui, même leur vieil homme ne peut pas régler ce problème. Oh, regarde-moi ça, Midia, ces prix sont vraiment superbes. Allez, on a même acheté une balle de protection juste parce que les prix étaient vraiment très très bas. Alors que c'est un objet complètement inutile, qui risque de faire très mal à nos finances étant donné que nous sommes très pauvres. Mais ce n'est pas grave. Je sais ce que je fais, Midia. Bonjour. Smash, le gars qui dirige la mine, là, il devrait pouvoir arrêter le magma. Mais là, à cause du magma, là, son fils a brûlé dans d'atroces souffrances, puis la mine a été fermée. Fait que là, il a perdu tout son désir de vivre. Fait que il passe son temps dans la taverne. Allez donc aider Smash un peu, les gars. Son fils est mort. Oh, c'est triste, n'est-ce pas, Midia? Oh, son fils est mort. Je suis vraiment très, très bouleversé. Moi aussi, Midia, je suis triste, voilà, je suis très triste. Hey, il y a le bar là-bas.
Allô les filles, quelqu'un veut joindre ma magnifique équipe de puissants guerriers? Tu veux que je change le magma? Même si je changeais le magma, cela ne ferait pas revenir mon fils ou la mine. Ah, je suis un bon à rien, plus personne ne m'écoute même si je suis en train de te parler. J'aimerais ça que le joueur de piano joue la Goddamn Lullaby, mais il veut pas. Ok, donc tu veux pas sauver le village parce qu'il y a un gars qui veut pas jouer une chanson pour toi? T'es un vrai trou de cul, Smash. Fuck you, Smash. Oh merde, il y avait une autre taverne avec des mercenaires très cool. Bon, salut mon grand. Hein? La Lullaby de Goddamn? Fuck you, je jouerai pas ça, moi! Absolument pas! Mais qu'est-ce qui vient de se passer? J'ai entendu un tremblement. J'espère que cela ne signifie rien de mal. Oh, regarde, Midia! Bientôt nous allons mourir si nous ne nous dépêchons pas. Oh, Captain Obvious, t'es monté en haut? Pour être honnête, j'aurais aimé mieux que tu meurs dans d'atroces souffrances. Hello? Ces Goddamn sont vraiment stupides, j'aime pas beaucoup cette race. Et toi, Midia? Éprouves-tu des sentiments de xénophobisme et de racisme envers cette race? Je ne comprends pas ce que tu dis. Ah, qu'elle est naïve. Bon, qu'est-ce qu'on a ici? Nous sommes des danseuses de Jirain! Nous aimerions quitter rapidement, mais... comme vous pouvez voir, ma petite sœur est malade, elle ne peut pas bouger. Voudriez-vous nous aider? Non, on aimerait sauver la ville. Oh, le mal. Nous allons vous aider. Merci beaucoup. Ouf. Voudriez-vous aller en arrière de l'hôtel? Et trouver un truc qui permettrait de soigner ma sœur. Midia, je crois que ces danseuses ont essayé de me séduire. Eh bien, Midia, tu n'es pas jalouse ou quelque chose comme ça? Tu parlais, là? Bon, on sauvera la ville après.